la table de Cana, c'est le premier traiteur gourmand et engagé. Donc gourmand parce que notre métier, c'est de sublimer les saveurs et de régaler nos clients. Et engagé parce que depuis 25 ans, nous avons professionnalisé plus de 1400 personnes sur les métiers de traiteur. Notre cœur de métier, c'est la gestion de grands événements pouvant aller jusqu'à 2000 personnes. Des congrès, des colloques, des séminaires, des manifestations sportives. Nos clients sont à la fois des entreprises, des grosses associations, des partenaires publics, mais aussi des particuliers. Une des particularités de notre carte, c'est de beaucoup travailler des légumes. Aujourd'hui, il y a une grosse demande d'avoir des produits locaux, de saison, idéalement bio. Et du coup, ce partenariat avec les Atlas Bessonnières, ça nous permet de répondre à cette demande client. Nous avons des partenariats avec des producteurs afin d'avoir des produits bio et locaux. Il faut savoir que la farine, le sucre et le pain sont 100% bio dans nos cuisines. C'est notre façon de démocratiser le bio. Un légume bio, d'autant plus qu'il est ramassé du matin, a une saveur, une fraîcheur incomparable. C'est tout l'attrait de travailler avec des fournisseurs de proximité. On a des pratiques de travail collaboratives, ce qui fait que les équipes en cuisine sont sans cesse en train de nous proposer de nouveaux produits, de faire des créations et de nous faire goûter pour permettre de faire évoluer notre offre, avec toujours en tête cette idée de proposer des produits de qualité. On accompagne les gens qui travaillent chez nous en leur montrant les gestes techniques, en ayant une bienveillance à leur égard, mais en étant très exigeant également. Et c'est ça qui nous permet à la fois d'avoir des produits de bonne qualité, et ça, nos retours clients nous le disent, mais ça permet aussi de bien former les gens et de leur permettre de mettre toutes les chances de leur côté après pour retrouver un emploi dans une entreprise classique. Pour vous donner un exemple sur comment s'incarne le bien-être dans l'entreprise, en fait, depuis 4 ans, on fait intervenir dans l'entreprise un coach en gestion des émotions. Depuis 2 ans, on fait aussi intervenir un ostéopathe. C'est constitutif de notre ADN d'être sensible au côté humain, à la qualité des relations humaines et au bien-être des gens. Mais en fait, ce n'est pas simplement une vision humaniste, c'est aussi une vision économique. Parce que quand les salariés se sentent bien, en fait, ils produisent le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont impliqués, ils ont envie et du coup, l'entreprise a tout à gagner à investir dans ce type d'action. Notre projet, c'est vraiment d'être identifié comme un acteur de la gastronomie majeure de la métropole pour pouvoir continuer de grandir et permettre à plus de gens de venir se réinsérer à travers notre structure. En fait, pour nous, la qualité, c'est plus qu'une promesse. C'est vraiment la preuve que chacun peut réussir.